Sophie Davant bouleversée par son départ d'affaires conclu. Aujourd'hui, regardez l'émission Mais douloureux. Après avoir passé le relais à Julia Vignali aux commandes d'affaires conclu, Sophie Davant a fait des révélations sur son départ. L'animatrice confie au micro de Buzz TV être très émue lorsqu'elle regarde l'émission qu'elle a portée de nombreuses années. Le lundi 28 août dernier, Sophie Davant a passé le flambeau à Julia Vignali pour animer Affaires conclues. Désormais, c'est sur Europe 1 que l'icône de France 2 excelle en animant Sophie les copains, chaque après-midi de 16h à 18h. Dans cette rotation, la compagne de Kad Merad cède sa place à Marie Portolano, qui co-animera Télématin avec Thomas Soto. Après 6 ans à la tête du programme de vente aux enchères de France 2, Sophie Davant est bouleversée. Invitée du Buzz TV, la principale intéressée s'est exprimée sur ce transfert surprise. Si elle ne fait que des éloges sur sa successeuse, la mère de Valentine et Nicolas n'en demeure pas moins émue et nostalgique lorsqu'elle regarde l'émission. Après, très honnêtement, regarder Affaires conclues m'est très difficile et douloureux. Comme quand c'est au programme s'était arrêté, j'avais du mal à regarder les émissions du matin. Je suis très affective, a-t-elle confié à nos confrères. Sophie Davant se confie sur Julia Vignali. Mais que pense donc Sophie Davant de sa successeuse Julia Vignali? A priori que du bien. L'animatrice au carré blond signature a partagé ses impressions sur sa relève dans Buzz TV. Je ne la connaissais pas, je l'ai rencontrée lors de la passation de relais, diffusée lors de sa première. J'ai trouvé qu'elle était très sympathique et qu'elle faisait preuve de sororité vis-à-vis de mon parcours et de mon ancienneté. Elle a cette volonté de ne pas établir de rivalité. Elle a pris la succession d'autres émissions, comme Les Maternelles, Le Meilleur Pâtissier. Sophie Davant a conclu. C'est une fille solaire et souriante, elle a tous les atouts pour réussir dans cette émission.